Grâce à la collection Légende, retrouvez en vidéo et sur fascicule des images d'archives inédites, des prises de vue exceptionnelles, des interviews et des conseils d'achat et d'entretien des véhicules qui ont marqué l'histoire. Grand sorcier Amédée Gordini parmi ses fidèles. Renault 8 Gordini, un nom synonyme de sport, de glisse et de pilotage. La Gorde, comme on la surnomme depuis toujours, est le fruit d'une longue tradition chez Renault qui remonte à l'après-guerre. Plus de 100 chevaux à 7000 tours, avec un petit air de voiture en tout temps. Il faut rappeler que la R8 Gordini est un véhicule sportif, mais qui est dans la juste continuité du produit, puisque la compétition a toujours été, chez Renault, un élément majeur de la communication. Après la Deuxième Guerre mondiale, à la naissance de la Régie nationale des usines Renault, Pierre Le Faucheux, nouveau président de la Régie nationale, choisit la 4 chevaux, c'est-à-dire fait le choix d'une petite voiture populaire dans un contexte qui était celui de l'après-guerre, un contexte difficile, et en fait permet, à travers la 4 chevaux, de remettre la France sur la route, les Français sur la route. Et très vite, les passionnés de compétition automobile, bien sûr, se mettent à courir avec la 4 chevaux. La 4 chevaux a donné naissance à la 1063, qui était la version sportive, puis il y a eu la Dauphine spéciale qui a donné naissance à la 1093, qui était une version compétition, et là nous arrivons à la Renault 8 spéciale, et la fameuse R8 Gordini, qui reste une voiture mythique, mais c'est vrai que cette voiture a été un petit peu une révolution. Ça a été une voiture qui pouvait à la fois permettre de faire de la compétition le samedi et le dimanche, et d'aller travailler en semaine avec. Présentée en juin 1962, la Renault 8 marque un net progrès par rapport à la Dauphine. Moteur plus puissant, équilibre général et tenue de route améliorée, boîte 4 vitesses synchronisées, 4 roues indépendantes et 4 freins à disque, un véritable luxe technique pour la catégorie. Bien née, la R8 séduit vite le public par son élégance moderne et son économie. Elle va également inspirer le service compétition Renault et Amédée Gordini, surnommé le sorcier, extraordinaire ingénieur qui, depuis les années 30, a fabriqué quelques-unes des plus belles autos de course françaises et créé de toutes pièces des moteurs unanimement reconnus dans le monde entier. Cette Renault 8, donc, c'est un exemplaire absolument unique qui a été fait en 1963 à la demande de François Landon, qui était alors le directeur du service compétition Renault, avec l'accord de Fernand Picard, qui était le directeur des études de l'époque. La Renault 8, on avait envie, la direction générale éprouvait le besoin de la rendre un peu plus performante. Et donc, quand on veut augmenter la performance d'un véhicule, les deux facteurs principaux, c'est le poids et puis c'est l'aérodynamisme du véhicule. Comme la Renault 8 ressemble à un parallélépipède rectangle, pour ne pas dire une armoire normande, donc l'idée est tout à fait logiquement venue à François Landon de dire on va surbaisser le toit d'une R8,
On va déjà gagner en mètres couple et il espérait également que peut-être on améliorerait aussi le CX. On a carrément scié le toit dans l'atelier de construction des prototypes Renault. On a scié le toit et on a équipé ça d'un moteur qui était un moteur Renault 8 travaillé par notre sorcier maison qui s'appelait Henri Frété à l'époque, qui avait été le grand maître technique des 4 chevaux 1063, des Dauphines spéciales. Et donc, malheureusement, les faits ont démenti les espoirs, c'est-à-dire que l'amélioration de performance, qui devait être de l'ordre de 7 ou 8 km à l'heure en vitesse maximale, était due simplement à la diminution du mètre couple que donnait l'abaissement du toit. Alors, au printemps 63, quand on a voulu faire un modèle sportif, j'ai été chargé de coordonner l'ensemble des services d'études de Renault. Amédée Gordini, qui lui nous amenait sur les fonds baptismaux le moteur choisi. Et on m'a fait entrer à ce moment-là au petit atelier compétition de Renault pour permettre la définition des solutions adoptées pour la fabrication de la Renault 8 Gordini. Suite à cette image de marque qu'il avait acquis, que Renault a cru bon de passer des contrats avec lui pour l'aider à vivre financièrement. Et donc on lui a commandé au fil des années un certain nombre de réalisations. Donc on a eu l'Ondine Gordini, la Dauphine Gordini. Donc il avait concocté une version légèrement améliorée du moteur de la Dauphine. Alors les royalties que touchait Amédée sur ces séries, ces Dauphines gordinisées, lui permettaient de continuer à vivre et de continuer à se consacrer à certains moteurs faits spécialement pour les circuits. Le moteur à double arbre qu'il avait fait sur le bloc R8, si ma mémoire est bonne, etc. Et qui équipait donc les Alpines qui concouraient essentiellement pour l'indice de performance aux 24 heures du Mans et dans d'autres courses également sur circuit. On lui avait proposé de participer à l'élaboration du modèle sportif de la Renault 8 et qu'il avait fait donc un modèle qui correspondait à ce que la direction générale Renault souhaitait. Et puis, comme il était indépendant, il avait fait un modèle plus musclé. Elle était équipée, cette version-là, de la culasse hémisphérique. Or, les soupapes plus grandes, c'est un des secrets de la puissance augmentée d'un moteur. Alors, il avait des particularités, une particularité très originale, c'est que pour laisser encore plus de place aux soupapes, la bougie débouchait dans deux petits canaux, qui venaient donc, les deux soupapes étant comme ça, les canaux venaient déboucher ici, en somme, en dehors de l'espace compris entre les soupapes, ce qui permettait de le réduire. Mais comme cet espace était très réduit, il n'y avait donc pas de circulation d'eau dans ce coin-là, et alors en fonctionnement, avec les échauffements et les refroidissements successifs des moteurs, ça se fissurait. Alors, entre les deux trous, ça débouchait. Et alors, au début, ça nous a beaucoup inquiété, ça. Hein. Et puis, comme on voyait que très souvent, des moteurs avaient terminé leur course en pleine possession de leurs moyens, et puis qu'au démontage, on voyait que c'était fissuré, on a commencé à se dire, mais au fond, peut-être ces fissures, c'est pas très grave, c'est plus inquiétant visuellement qu'autre chose, quoi. Et donc finalement, on a décidé de vivre avec, et puis on a bien fait, quoi, parce que ça n'avait aucune conséquence pratique. Nous n'avons pas inventé ce moteur. C'est une suite de ce que nous avons fait depuis tout le temps. Il y a un peu de nos moteurs de course qu'on faisait autrefois. L'enchanteur, c'est Amédée Gordini, toujours à la recherche de performance. En octobre 1964, Renault présente la R8 Gordini 1100, qui s'annonce d'emblée comme un des plus beaux fleurons du monde de la petite sportive. C'est vrai que Renault, à cette époque, avait frappé très fort, puisqu'ils étaient vraiment innovants et ils avaient
10 ans d'avance, puisque en fait cette voiture précédait la Golf GTI, en fait, qui est née 15 ans après. Donc en fait elle est restée dans la tête des passionnés qui ont vieilli maintenant. Elle est restée donc comme un engin assez extraordinaire. Et bien, mon premier contact avec la R8 Gordini a été en 1964, au mois d'octobre. Et j'étais aux 1000 km de Paris. Et je suis parti sitôt terminé pour prendre le bateau à Nice et rattraper toute l'équipe. Et j'ai donc fait la route et j'étais assez pressé. Et je dois dire que sur la route pour descendre à Nice, j'ai surpris beaucoup de conducteurs de DS et de grosses voitures qui ne comprenaient pas qu'une R8 puisse aller aussi vite, les doubler et les semer. Ça a été vraiment mon premier contact, qui était un contact routier de National 7 à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Et puis après, ça a été la reconnaissance de la Corse. Et nous avons pris possession de nos voitures de compétition, qui étaient des voitures dérivées de la série, mais complètement allégées, avec des éléments d'origine en acier. Et un moteur, qui était un moteur préparé par Amédée Gordini, boulevard Victor. Mais vraiment, c'était une voiture de série, mais vu le poids extrêmement léger, les quatre freins à disque, ce moteur performant qui avait pas mal de couple à l'époque par rapport aux voitures qui étaient disponibles sur le marché, a fait que cette voiture était performante dès l'arrivée sur le terrain sportif. La Gordini avait aussi ce plaisir intense de la propulsion, puisque la Gordini est une voiture de l'ancienne génération, propulsion, et donc c'est des voitures qui glissaient, au même titre que la berlinette glissait, et le développement de la technique, la sécurité apportée par les tractions, ont fait que ces voitures étaient moins agréables à conduire. Mais quand on a été pilote de Renault 8 Gordini, la manière dont la voiture glisse, ça fait partie du plaisir de la glisse. La maîtrise de la glisse relève d'une technique dont le pilote Jean-François Piot nous livre les secrets. À l'entrée d'un virage, on se trouve devant le problème de le prendre le plus vite possible. Et pour cela, il faut essayer de trouver une zone de freinage la plus courte avec les méthodes du frein accélérateur. Une fois que la voiture est bien ralentie et qu'on se trouve juste à pouvoir observer le degré du virage, on balance la voiture. L'arrière va avoir tendance à chasser vers l'extérieur. On le corrige petit à petit en contrebraquant. Le nez vient mordre bien à l'intérieur. L'important est d'aller piquer sur la corde, légèrement avant le virage. C'est de porter à droite, bien après. L'arrière à ce moment-là a tendance à chasser vers l'extérieur. Et puis, avec les roues avant, on les contrebraque vers l'extérieur, la voiture à ce moment-là revient parfaitement en ligne pour sortir du virage de façon à ce que les roues arrière soient bien assurées sur la route et puissent accélérer. La voiture, lorsqu'on roulait très très fort, elle était quand même assez fine à piloter parce que très survireuse, le moteur derrière, les petites roues, tout ça, elle glissait beaucoup de l'arrière, hein, donc elle était très survireuse. Mais ça avait aussi un autre avantage, c'est que ça a permis à plein de jeunes de se faire forger une expérience en pilotage sur cette voiture qui était quand même très rapide, très efficace. Il lui arrivait même avec un tout petit moteur de faire des temps au milieu des berlinettes alpines qui était la référence à l'époque. Et ce qui fait que quand même les pilotes se sont beaucoup beaucoup régalés à son volant. Cette voiture m'intéressait parce que d'abord elle était française et puis j'étais tout de même un peu chauvin français. Je pense que je l'ai prouvé par la suite. Et puis d'autre part parce que c'était une voiture, disons, qui sur le plan performance était quand même un peu extraordinaire. Et puis sur le plan général, si moi j'étais à cette époque-là un peu violent au volant, en faisant une petite touchette, les pièces étaient bon marché. Et en plus même on pouvait trouver des pièces, ailes, capot, tout à la casse. Donc c'est un petit
petit peu, ce qui permettait qu'on puisse avoir une superbe gogo avec un prix relativement intéressant, même si on faisait quelques petites fautes de conduite. En octobre 66, la 1300 est dévoilée au public. Cette version, très attendue, immédiatement reconnaissable à ses quatre phares intégrés, propose un équipement plus sportif. On trouve ainsi un volant 3 branches tulipé ou une instrumentation plus complète. Mais c'est sous le capot que l'on découvre l'évolution la plus importante, puisque la cylindrée passe de 1108 à 1255 cm³ et la puissance de 93 à 115 chevaux. En outre, la boîte gagne un cinquième rapport. La 1300, de base, était une voiture encore plus performante pour le client normal, puisque la boîte 5 a apporté beaucoup de choses. Avant d'arriver à la boîte 5, on a eu chez Renault, Harvey, il nous avait fait des boîtes montagne avec une première très longue, qui faisait qu'en définitive, ça préfigurait une boîte 5, puisqu'on avait perdu une première de démarrage, pour ainsi dire, et la première nous servait comme une deuxième en montagne. Et après, avec la boîte 5, on a eu à peu près la même chose, mais en ayant une première qui servait vraiment à prendre des départs quand ça montait, ce qui n'était pas le cas avec une boîte 4. Quand il y a eu la 1300 qui est sortie, donc je l'ai achetée et en remplacement de la 1100. Et bon, la grosse différence, c'était déjà la boîte 5 par rapport à la boîte 4. Et puis tout de même, le moteur qui avait plus de chevaux, mais surtout beaucoup plus de couple et était beaucoup plus agréable à conduire. Les versions 1100 et 1300 de la Gordini ont donc connu un grand succès jusqu'à 1970. Mais ce ne sont pas les seules évolutions de la populaire Gorde, puisqu'une rarissime 1500 a aussi été concoctée par le sorcier Amédée Gordini. Alors c'est un modèle unique, c'est une R8 Gordini 1500 cm³, 150 chevaux. C'est une voiture qui a été faite par Amédée Gordini. À l'époque, a priori, c'était pour son fils, avec un moteur bien spécial qui a été monté sur les Alpines à 210 du Mans. On va aller voir le moteur, c'est un moteur un peu spécifique. Alors voilà, c'est un moteur, comme on a dit tout à l'heure, c'est un moteur 1500 cm³, 150 chevaux, c'est un moteur de course, c'est un carter sec, ce carter sec est alimenté avec la bâche à huile qui est ici, hein. Deux circuits et deux radiateurs d'huile, qui n'est pas le 1300, filtre à essence, gros filtre à essence, l'alimentation en eau qui est un peu différente du 1300, avec un radiateur à l'avant de la voiture. Voilà, alors à l'avant, on va voir, à la différence de l'R8 Gordini 1300 sur la 1500, nous avons deux master vacs qui sont ici. Le radiateur qui est le radiateur d'eau qui est à l'arrière sur la 1300 est passé à l'avant sur la 1500 avec la petite grille extérieure de la voiture. Le réservoir identique à la 1300 avec sa roue de secours dessus. Alors, comme dans pas mal de voitures de course ou de compétition, la voiture est équipée avec un instrument très complet. Il y a le contour, le compteur, température d'eau, pression d'huile, température d'huile. On a même poussé la plaisanterie à aller jusqu'à mettre une sangle pour retenir le pied sur la pédale d'accélérateur.
concerne la Ruiz Gordini double arbre. Alors ça, j'ai eu beaucoup de chance pour cette voiture, puisque le professionnel qui me l'a vendue m'appelle un jour, et il me dit, je crois avoir une Ruiz Gordini coupe Gordini. Et en fait, c'était la Ruiz Gordini de M. Gordini. Et donc, je lui dis que sa Ruiz Gordini coupe, je l'achetais immédiatement, puisqu'il me la vendait dans le cadre d'un prix très très raisonnable. Cette Ruiz Gordini 1500 double arbre, donc, est unique. C'était la dernière série de 3 ou 4 voitures construites. C'est la régie Renault donc, qu'il avait conçue avec Amédée Gordini. Et donc, ces voitures avaient été engagées autour de Corse. Et donc, comme souvent, une fois que les voitures de course sont utilisées, elles partent à la casse. Et donc, Amédée Gordini, donc, on a racheté une à la régie Renault, l'a reconditionnée, en voiture de tourisme normale, et donc l'a gardée en tant que voiture personnelle pendant des années jusqu'à sa mort. Comme une fusée, elle est faite pour la distance et la vitesse. Alors, la fabrication en série a démarré en octobre 64, et avant, nous n'avions fait, à titre officiel, que le Liège Sofia Liège 64. Ma première sortie en Ruiz Gordini, ça a été une première victoire, puisque nous avons gagné le Tour de Corse. À l'arrivée, il y a 8 voitures classées. Dans les 8 voitures, il y avait 5 Renault. Et Aurélie de Charbonnière, nouvelle victoire d'une Ruiz Gordini. Dans la neige, dans la tourmente aussi. Et je dois dire que la Corse et la Charbonnière étaient vraiment dans la tourmente. Et ça a été les 2 premières victoires scratch de la Ruiz Gordini. Mais disons que l'arrivée de la Ruiz Gordini a été pour moi le déclencheur de ma carrière chez Renault. Et j'ai été le premier pilote salarié avec une fiche de paye comme pilote de la régie Renault. On a un rallye, on part de minute en minute, et à ce moment-là, c'est une lutte contre soi-même, contre la montre, et il faut absolument essayer d'aller le plus vite possible sans savoir si le concurrent le plus direct va plus ou moins vite. 3, 2, 1, partez! Si la Ruiz Gordini commence sa carrière sportive par le rallye, c'est surtout par le biais de la fameuse Coupe Gordini qu'elle va connaître une popularité sans précédent. La création de la Coupe Gordini, l'idée même est venue de Georges Fréchard, qui était rédacteur en chef de moteur, et qui, à l'époque, a saisi l'occasion de l'apparition sur le marché de la Renault 8 Gordini avec le moteur 1100. Ils en ont discuté avec Pierre Alané, qui était rédacteur en chef de l'Action Automobile, Robert Sicot, qui était le directeur des relations extérieures, enfin du service de presse de la régie Renault. Et on s'est réunis et sous l'impulsion de Georges Fréchard, on a dit pourquoi ne pas utiliser cette voiture pour faire une opération pour les jeunes. Ça avait un rôle de promotion de jeunes pilotes pour en faire des pilotes chevronnés. Et je dois dire que cette voiture était vraiment faite pour être une voiture école. Et devant le succès qu'on a connu la première année, tout le monde a mordu à l'hameçon, et après, de proposant, on est devenu des sollicités, parce que ça a eu un succès populaire dès le début qui était extraordinaire. J'assiste aux compétitions des Ruiz Gordini timidement. Mais à moi-même, je vous assure, j'en suis très émotionné. Chaque fois que je vois ces courses, toutes ces voitures bleues, toute cette jeunesse. Et c'est peut-être pas la véritable voiture de course, mais c'est quand même la voiture qui lui permet de se mesurer avec les autres, à égalité. Si quelqu'un a vraiment de la classe, et bien là, il va sortir. Il est un moyen égal avec son collègue. Alors, s'il a de la classe, après, il peut prétendre de faire autre chose. Il y en a beaucoup qui sont vraiment très, très bien. Il y a de très bons pilotes. Ah, très, très bons pilotes. Lorsqu'on a
défini la voiture, mon rôle a été de concevoir la réglementation et en plus d'être un peu, si vous voulez, l'administrateur, le gendarme, le technicien et l'arbitre sur le terrain, si vous voulez. Et j'avais pour m'aider sur le plan des vérifications techniques un ingénieur du bureau d'études de Renault, de Rueil, qui s'appelait Claude Hainaut, et on a formé un binôme inséparable. On parlait la même langue, on avait la même conception de l'organisation, la même idée de la rigueur qu'on exigeait des concurrents. Et si vous voulez, moi je faisais jouer la pièce et c'est lui qui veillait à ce que les autos soient toujours dans la plus parfaite conformité technique. Alors en ce qui concerne la formation que l'on visait à travers ça, on a eu des générations de pilotes qui ont été extraordinaires. Alors on peut citer Jarier, on peut citer Jabouille qui ont monté jusqu'à la Formule 1, on peut citer Mieuxet, champion d'Europe de la montagne, on peut citer Malcher, X fois champion de France. Et sur le plan des pilotes, j'ai cité ceux qui avaient eu accès jusqu'à la Formule 1, mais je dois dire que j'en ai connu qui valaient certainement ceux qui sont devenus célèbres et qui sont rentrés dans l'ombre parce qu'ils sont venus à la Coupe. Ils l'ont fait un an ou deux où ils ont démontré des possibilités fabuleuses au point de vue qualité de pilote. Et je prendrai par exemple Étienne Vigoureux. Étienne Vigoureux était le plus bel esthète que j'ai vu sur une piste. Et il a été, c'était vraiment de l'art à l'état pur. Quand il conduisait, il ne donnait jamais l'impression d'aller vite. Et il était toujours devant. Et jamais il ne donnait l'impression de forcer son talent. Et toute proportion, je dirais, un peu ce que j'ai connu comme journaliste quand j'allais voir les Grands Prix du temps de Fangio, si vous voulez. Le type, on avait toujours l'impression qu'il pouvait aller plus vite. Alors, il y en a comme ça que j'ai vu apparaître des types hyper doués qui ont fait des courses phénoménales, et puis ils se sont fait plaisir un an ou deux, puis ils sont retirés à la vie active, ils sont mariés, et puis voilà. C'était une école qui n'était pas seulement une école sportive, c'était une école aussi de vie courante, et de rigueur, d'honnêteté, de respect des adversaires. Et ça se traduisait sur le terrain par un esprit de solidarité comme je n'ai jamais vu, à part dans ces trucs-là où ils s'échangeaient des moteurs, ils se prêtaient une boîte de vitesse, ils se passaient la nuit à plusieurs équipes ensemble pour réparer celui qui avait fait 3 ou 4 tonneaux, enfin des choses invraisemblables. 90% des pilotes de R.U. Gordini, surtout dans le cadre des deux premières années, venaient avec leur voiture par la route, bien sûr, toile de tente, sandwich, et c'était vraiment la course, c'était l'amateurisme à la terre pure, hein, c'est sûr. Tout ça se passait, c'était très bon enfant, et la coupe, c'est vrai que étant la réunion d'un ensemble de voitures de série, hein, puisque le règlement était quand même très 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 strict, ça a permis à tous les pilotes qu'on était à l'époque de courir vraiment avec des moyens très 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 faibles. Je suis arrivé un petit peu en étant un étranger dans la coupe parce que j'étais un du sud-est, il n'y avait pas beaucoup de pilotes du sud-est et donc il a fallu se faire connaissance avec les nordistes comme on disait. Et par contre dans les organisateurs, quand je suis arrivé là-bas au circuit Bugatti, le premier que j'ai vu pratiquement c'était Alain Berthaud et ma voiture était une voiture de rallye équipée avec les phares, les antibrouillards, tout ça. Et il m'a dit, mais il faut les enlever parce que tu vas les casser. Alors je lui ai répondu que, d'après moi, il ne devait pas avoir d'accident et que les autres pilotes, quand même, ils n'allaient pas me rentrer dedans. Et il m'a laissé entendre qu'effectivement, si, ça pouvait arriver, que je pouvais les casser. Mon souvenir de la coupe qui a fait travailler et vendre pas mal de choses concessionnaires Renault de Pau, c'était les jantes. Parce qu'à Pau, il y avait des trottoirs et à force d'attaquer, de glisser et de tutoyer les trottoirs, j'ai tordu pas mal de jantes sur le week-end. Mais le concessionnaire de là-bas était sympa, alors j'en ai payé bien sûr quelques-unes. Mais je crois que j'ai eu un bonus vu que c'est moi qui allais casser le plus quand même. Ouais.
ça a été Reims. Et je dois avouer que c'était un premier contact avec le sport automobile qui était musclé, puisque Reims, ça se passait à 170 de moyenne, et disons qu'on s'est fait, enfin moi je me suis fait vraiment des frayeurs, mais enfin à 20 ans on voit pas trop le danger. Et bon, bah, c'est vrai qu'il y avait des grandes courbes qui se négociaient à 170-180. Avec nos engins, c'était assez musclé. En ce qui concerne la grande ligne droite de Reims, c'était assez fantastique parce que le peloton de R8 Gordini, on dévalait cette grande descente à plus de 200, au rupteur bien sûr. Et celui qui était au milieu, puisqu'on était à 3, 3, 3, 3 et 3, celui qui était au milieu avec la dépression d'air passait droite à gauche et touchait régulièrement son voisin. Pour les premières compétitions que j'ai faites avec la Gord, bon, ben, ça a été la coupe Gordini D66 en 1100. Et là, bon, en fin de compte, c'est quelqu'un qui m'a emmené, parce que j'avais pas du tout l'intention de courir, mais qui m'a emmené sur un circuit, qui m'a fait tourner, c'était Reims, la première course. Et puis j'ai tout de suite mordu dans le système, et puis comme le résultat avait été loin d'être décevant, j'ai continué la coupe. Mais enfin, le circuit quand même, c'était pas mon truc. Mais c'était pas mon truc, peut-être pas pour le circuit, mais c'était pour l'ambiance. Et donc j'avais décidé après de tenter de faire un rallye. Et là j'ai pris un copain de chez moi, on est parti faire un rallye, et puis 15 jours après j'en ai fait un autre, j'ai pris un autre copain. Et en fin de compte après c'était la bagarre, parce que tous les week-ends ou tous les 15 jours j'allais faire un rallye et je changeais de coéquipier en prenant un autre copain. Donc on a passé une année absolument fabuleuse, et en faisant des super résultats, puisque même avec la 1100 j'avais fait deuxième au Jeanne d'Arc derrière Gilles et Todd avec la Ferrari, on faisait des trucs terribles. Et il faut avouer que là l'ambiance rallye m'a beaucoup plu par rapport à l'ambiance circuit. La R8 Gordini, pour moi, c'est quand même plus une voiture de rallye, parce que c'est une voiture hyper maniable. Moi, j'ai fait quand même une saison totale avec une auto d'usine en 69. Et contrairement à ce que l'on dit, en fin de compte, j'ai jamais tapé une R8, ni de mulet, ma voiture de reconnaissance, ni ma voiture de course. Je suis jamais sorti une fois de la route avec une R8. Et je trouve qu'elle est tellement agile qu'elle est vraiment plus faite pour le rallye, qu'elle était plus faite pour le rallye que pour le circuit, il n'y a pas de problème. Alors là, pour moi, la Renault Gordini, c'était vraiment plus la voiture rallye pour moi, parce que c'est une voiture spectaculaire. Alors en circuit, bien sûr, était spectaculaire aussi, parce qu'on a vu à cette époque-là beaucoup de pilotes glisser énormément, certains glissaient plus que d'autres. Mais pour moi, la Renault Gordini, c'était le rallye. Et puis d'ailleurs, moi, dans ma carrière, bien après la Renault Gordini, même si j'ai fait un petit peu circuit en Formule 3 ou autre, pour moi, c'était le rallye qui primait. Et après avoir couru un petit peu au Mans ou ailleurs, ou même des Paris-Dakar, j'ai toujours revenu à mes premiers amours, qui était le rallye. Vu mes performances tout à fait en dilettante, c'est le cas de le dire, mais qui me plaisaient à Alpine, Monsieur Redélé et Jacques Chénis m'avaient dit un jour, si vraiment tu veux faire de la compétition, tu nous en parles, si tu veux faire quelque chose d'officiel. Mais moi, il y avait le problème de mes études, j'avais passé mon BTS, après je rentrais dans une école d'ingénieur, donc c'était pas facile. Et bon, en fin de compte, j'ai quand même plongé pour le problème de la R8, parce qu'on me proposait une R8, et moi, je me sentais tellement bien dans cette auto-là, que j'ai signé mon contrat début 69 avec Alpine pour faire une saison complète avec la R8 Gordini, mais préparée à Dieppe par Alpine. Et j'ai fait toute une saison, je vous dis, j'ai fait 14 rallyes et j'ai gagné 14 fois le groupe. Le 18 et 19 juillet 1970 vont marquer un grand événement, le fameux jour G. Se déroulant en fait sur un week-end, ce grand rassemblement de gordinistes devait ainsi célébrer l'arrêt de production de la R8 Gordini, remplacée dès la saison suivante par la R12 du même nom. Plus de 2000 R8 Gordini vont ainsi converger vers le circuit du Castellet pour une grande fête à la gloire du bolide bleu à bande blanche. Les amateurs de la R8 Gordini venaient des quatre coins de France et d'Europe. Villeneuve Saint-Georges, de Paris. Ville d'Espagne. Le de Grenoble. Et bon de Marseille. Du Rhône. Paris, Maison Alpha.
De Normandie. De Lisieux, très exactement. 900 bornes. Il y en a qui ont fait 2000 km pour venir. Ils sont partis d'Allemagne pour venir ici. La Renault 8 Gordini entame ses derniers kilomètres de course en coupe, sans perdre de sa superbe, faisant encore le spectacle pour la plus grande joie des 7000 spectateurs présents. Les glissades sont toujours au rendez-vous, la bataille est âpre et les concurrents acharnés, comme au jour de la première course en 1966. La première manche de ce week-end unique sera remportée par Jean-Pierre Malcher qui effectuait là sa première saison en Coupe Gordini. Sur le podium, on trouvait aussi Bernard Mandonato et Danny Snobeck qui reviendra l'année suivante sur la R12. Je donne la Coupe de la Renault Gordini cette année et je vous félicite. À la nuit tombée, les Gordinistes entament une longue communion, véritable happening qui n'a rien à envier au concert de rock de l'époque. Méchoui, danse, feu de joie et parade de nuit, l'hommage est grandiose et toujours à la gloire de la R8 Gordini. Et dès le lendemain, tout le monde est fin prêt pour entamer les dernières compétitions et découvrir le potentiel de la nouvelle venue sous le regard du sorcier, Amédée Gordini. La dernière manche de la coupe voit la victoire de Patrick Lalande devant Alain Cudigny et Bernard Manger, alias Francia. Vient alors le point G du week-end, la présentation de la R12 Gordini avec à la clé une démonstration de la nouvelle aux mains des meilleurs pilotes de l'époque. Traction avant contre propulsion. La R12 Gordini, moins spectaculaire mais plus puissante, démontre une nette supériorité sur la R8. La succession est donc dignement assurée, mais il en faudrait plus pour éteindre la passion que les gordinistes vouent à leur première égérie mécanique. La Renault 8 Gordini laisse alors la place à une autre histoire. Alors pour Amédée Gordini, hip hip hip, hip hip hip.
un 4 cylindres porté successivement à 1100, puis à 1300 cm3. La R8 Gordini est plus que jamais d'actualité et constitue aujourd'hui l'une des sportives françaises les plus collectionnées. 30 ans plus tard, la passion de la Gorde est toujours intacte. J'aime la Gordini parce que c'est un rêve de toujours. À 18 ans, j'avais une R8S et je rêvais toujours d'avoir une R8 Gordini. Alors là, j'ai pu me faire plaisir, j'ai pu m'offrir cette voiture que j'ai trouvé dans la Somme, au garage Goodzen. Il avait cette voiture qui venait de rentrer. Et je l'ai achetée dans son état, on a beaucoup travaillé dessus et on en a fait une voiture agréable et sympa à conduire. La R8 Gordini reste une voiture moderne sur la route, sympa à conduire sur les petites routes et c'est toujours aussi magique depuis tant d'années. Il y a du travail pour remettre en état une R8 Gordini, c'est vrai, parce qu'on a d'abord un petit peu de mal à trouver les pièces. Pour retrouver les pièces qui nous manquent, les joints caoutchouc, la poignée de maintien qu'on vient de trouver là, pour le moment. Il y a encore quelques pièces qui manquent sur cette voiture, mais enfin, on commence déjà à bien avancer dans cette restauration. Alors avant d'acheter une R8 Gordini, c'est de ne pas se laisser tenter par une belle peinture, mais de vérifier si la voiture n'a pas été accidentée et de vérifier, de voir si la voiture n'a pas été prise par la corrosion. Donc on va vérifier maintenant tous les points les plus sensibles. Compartiment moteur en rien à signaler, à part les parties hautes de passage de roue qui sont à vérifier, sachant que c'est dissimulé par une partie de l'aile. Vérifier l'entretol et passer le doigt à l'intérieur, voir si on a des problèmes de corrosion. La partie inférieure des gustodes est très fragile. On a un problème de corrosion entre le gustode et la partie supérieure de l'aile. Sur les Renault 8, vous n'avez pas de pare-boue et toute la boue et l'humidité remontent, ce qui provoque de gros problèmes de corrosion. Les parties les plus sensibles à la corrosion, les bas de caisse, les bas de porte. Des mastics ou une belle peinture peut dissimuler quelques misères. Donc toujours vérifier l'intérieur des portes dans les parties inférieures. Donc la partie la plus propice à la corrosion, c'est toute la partie inférieure de coffre avant, dont la gouttière qui évacue les eaux de tout le bloc de chauffage. On doit vérifier la partie support de compas de capot, toute la partie arrière et toute la partie joue d'aile. Donc traces de choc éventuelles et corrosion. Alors la partie avant, le plus important, c'est toute la partie châssis, dont la traverse avant. Donc la traverse avant qui est là. Hein, toujours de vérifier que la traverse avant n'est pas de pli. On a une tôle inférieure qui doit être bien plane. Bon, la traverse avant, il faut savoir que la traverse avant, vous avez les triangles de suspension qui sont fixés à l'avant et c'est ce qui fait toute la tenue de cap de la voiture. De vérifier si la voiture n'a pas été accidentée en vérifiant que les tôles et tout ce qui est soudure, ça soit bien relié. Sur les longerons avant, de bien vérifier qu'il n'y ait pas de zone de pli ou de corrosion importante. Alors pour pouvoir vérifier la corrosion sur des véhicules qui ont été décorés ou mal réparés, c'est de pouvoir prendre un tournevis électricien et puis de pouvoir sonder les tôles, surtout sur tout ce qui est parti caisson inférieur derrière les roues avant, et de vérifier si les tôles ne sont pas percées. La première chose à voir sur un Gordini, c'est de regarder la plaque du moteur, la plaque constructeur qui est sur le moteur, si elle y est toujours évidemment, pour voir si c'est un moteur type 804 ou type 812. En sachant que le 804 c'était le moteur qui équipait les R8 Gordini 1134 et le 812 les 1135. Donc le 804 les moteurs 1100 et 812 les moteurs 1300 qui étaient en réalité des 1255. C'est un moteur qui est incroyablement solide et à l'époque beaucoup de pilotes faisaient la coupe avec des moteurs qui avaient énormément de kilomètres.
Et il est toujours, le bloc est toujours utilisé presque à l'identique dans les Twingo. Et il est tellement solide plutôt que de casser, ce moteur s'use. Il s'use en général, donc ça s'use au niveau des mannetons du vilebrequin, des bagues d'arbrequin. C'est donc un moteur qui est indispensable d'ouvrir. Et après, je vous dis, c'est essentiellement de la métrologie, parce qu'on a tendance à perdre de la pression d'huile, simplement parce que le moteur est un peu usé de partout. Et chaque palier fait perdre un petit peu. À la fin, on a du mal à avoir de la pression d'huile, surtout dans les bas régimes ou sur le ralenti. Le voyant a tendance à s'allumer. Un moteur qui a le voyant qui s'allume en bas régime, souvent c'est simplement qu'il est usé. Il y a un peu de particularité dans le réglage des carburateurs, parce que c'est un moteur qui a 30 ans, qui était déjà équipé de Weber double corps à l'époque. Et forcément, ces deux carburateurs demandent une synchronisation parfaite, surtout pour le faire tourner correctement au ralenti. Bon, là il faut être équipé d'un synchro-test. Et puis il y a évidemment un petit tour de main à avoir pour bien régler les vis de richesse. On s'en aperçoit très, très facilement que le moteur ne tourne plus parfaitement bien au ralenti. Parce qu'en roulant, on n'aperçoit pas. Hein. Cette boîte de vitesse utilisait des synchros Renault, évidemment, et il fallait manœuvrer avec délicatesse le levier de vitesse, qui était d'ailleurs assez flou sur une R8 Gordini, et il fallait être très délicat, surtout pour rétrograder les vitesses, surtout la troisième, deuxième, on accrochait facilement, et c'était un point faible de cette boîte, le synchro deuxième était un point faible de cette boîte. Le réservoir étant à l'arrière de la voiture, le refroidissement du moteur n'est pas optimum. On a tendance à chauffer un peu, surtout si on veut rouler en ville l'été ou dès qu'il fait très chaud, ça a tendance un peu à chauffer. Alors ben, y avait des combines qu'on utilisait à l'époque, à savoir en plein mois d'août, rouler avec le chauffage ouvert à fond. Quoi. Mais c'est une R8 Gordini. Hein, un tonnerre de puissance capable d'enchanter le plus sportif des conducteurs. Aujourd'hui, si on refaisait une R8 avec, disons, ne serait-ce que la technologie des voitures d'aujourd'hui, c'est-à-dire vu la maniabilité de cette auto-là et son côté tout à fait extraordinaire, moi je suis certain qu'elle serait dans le coup. Permettre à travers la coupe R8 Gordini à des jeunes qui avaient en général des budgets relativement restreints de courir dans de bonnes conditions et sur un monotype, donc à armes égales et avec le pilotage qui les départageait, ou la malchance bien sûr, c'était extrêmement important. Ça a permis à toute une partie de la jeunesse de l'époque de faire face aux problèmes qui, à chaque génération, assaillent la jeunesse. Hein. Et donc, je crois qu'on a pris notre petite part à la sauvegarde de notre jeunesse, de la jeunesse de l'époque. Et je crois qu'à l'époque, il y a un truc qui a marché très fort, c'est le bleu avec les deux bandes blanches. Ça, déjà, ça a attiré le regard de tout le monde, enfin, aussi bien les gens qui la conduisait que ceux qui voulaient l'acheter et les gens qui la voyaient passer. Donc il y a eu un petit look comme ça, assez pas trop compliqué. Et puis ce qui a quand même fait vendre la voiture, c'était ses performances globales. Si Renault sortait aujourd'hui une R8 en la modernisant, je pense qu'il y aura encore de très très beaux jours pour une R8 Gordini, parce qu'il y a d'abord des passionnés qui aimeraient bien retrouver une voiture comme ça. Et elle serait toujours performante. Et si je devais un jour choisir trois voitures ici, je garderais évidemment la R8 Gordini, la NN Renault et la Lamborghini Miura.